t'assure, j'ai réfléchi, c'est la meilleure solution. Ou alors, tu la revends, tu te fais un paquet de fric et tu achètes autre chose. Non, alors là, pas question. Je ne vendrai pas ma maison de famille, oublie. C'est le meilleur moyen d'arrondir ses fins de mois. Pas de patron sur le dos, et c'est moi qui établis les règles. T'en connais beaucoup, des gens qui ont cette chance. C'est pas aussi simple, Allison. Fais super gaffe, je veux dire, tu sais pas à qui t'auras affaire. Tu risques d'ouvrir ta porte à n'importe qui. D'abord, c'est pas n'importe qui, et y a aucun risque. D'ailleurs, si tu veux tout savoir, j'ai rendez-vous avec une famille en fin de journée, et elle a l'air d'être parfaite. Je dois y aller. Je vais être en retard au travail. Tu sais quoi sur ces gens? T'as vérifié qui ils étaient? J'ai vu leur profil. Lui, il travaille dans la technologie et sa femme a un bon poste aussi. Quant à leur fille, bah, c'est une enfant. Ça va te faire du bien d'avoir une rentrée d'argent. Au moins le temps qu'un nouveau cabinet d'avocats t'engage. Ouais, enfin t'as bien vu qu'il y avait pas d'accueil devant ma porte. C'est normal, t'as pas fait de démarche. Tu viens de traverser une année difficile, tu t'y mettras quand tu seras prête. Crois-moi, je suis prête. J'ai envie de rentrer chez moi. Ça fait 7 jours d'affilée que je travaille, sois gentille, tais-toi. Brandon te paye tes heures sup, alors arrête de te plaindre. Je rêve ou tu me raccroches au nez? Je suis morte de rire. Tu sais qu'il y a des syndicats pour protéger les travailleurs. Ok, Ali, t'es pas dans ton cabinet d'avocat, je sais même plus comment il s'appelait. C'était Fairfax et Associés. Oui, ben ici, on fait pas les difficiles, on prend le travail qu'on nous donne. Il t'a invité à sortir? Quoi? Il m'a dit qu'il le ferait. Il dit que tu peux pas utiliser l'excuse du trauma avec ton ex indéfiniment. J'en ai vraiment bavé avec lui, c'est pas juste une excuse. Edwin était un psychopathe et un jaloux maladif. Merci, je suis au courant, c'est moi qui t'avais mise en garde contre lui. Absolument, et je t'en remercie. En tout cas, en ce qui concerne Brandon, un conseil, s'il te propose un resto comme il le fait avec toutes les filles ici, dis non. Ok. Bonjour, est-ce que je peux vous être utile? Clairement, vous pourriez m'être utile plus que vous le croyez. Ah. Eh bien, ceci est un salon de jardin parfait pour la saison, qui peut trouver sa place dans un patio ou même dans une maison, puisqu'il va à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est super pratique. Vous pouvez l'essayer avec moi? Je peux rien faire pour vous à ce niveau-là. Vous êtes sûr? C'est pas votre travail de m'aider? Allison? Vous avez une question, monsieur? Non, j'ai pas de question. Merci pour votre aide. Je vous souhaite une bonne journée. Ça va? Oui, merci, monsieur Matthews. Allison, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez m'appeler Brandon. Écoutez, si jamais ça se reproduit, c'est surtout... Non, ne vous en faites pas, c'est rien. D'accord, ce que je voulais dire, c'est que je suis là pour vous. Quel que soit le problème, n'importe quoi. D'accord, merci beaucoup, monsieur Matthews, c'est gentil. Je tâcherai de m'en souvenir. Parfait. James? Allison? Ah, oui, enchantée. Ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Ça va? Vous avez trouvé facilement? Oui, il y a un paquet de dodanes sur la route, mais je m'en suis sortie. Ah, tant mieux. Et votre famille n'est pas avec vous? Comment ça, ma famille? Eh bien, il me semble que sur votre profil, vous mentionnez une femme et un enfant. Oh. Pardon, j'ai pas pensé à modifier ma page, mais en fait... ça fait un moment qu'on est séparés. Oh... Je suis vraiment désolée, non, non, je l'ignorais. Non, vous pouviez pas le savoir, c'était pas facile au début, mais ça s'est arrangé. On est amis maintenant. Tant mieux pour vous deux. Ouais. Et pour votre fille. Aussi, ouais. Elles sont restées à Minneapolis, mais Lily viendra bientôt me rendre visite. Lily, c'est ma fille. Si ça vous pose un problème, je peux me trouver un hôtel et... Non, dites pas de bêtises, vous pouvez rester ici, aucun souci. C'est vrai? Bien sûr. Super. Eh ben, venez, je vais vous montrer votre appartement. Volontiers. C'est par là. C'est drôle, mon ex-femme travaille aussi pour un cabinet d'avocats. J'ai vu l'info sur votre profil. Ah oui, et elle travaille pour quelle boîte? Pour Mackenzie et Lattner. Et vous? C'est une longue histoire. On y est, c'est en bas des escaliers. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène dans la région? En fait, j'ai décidé de m'installer ici quelque temps. Parce que j'envisage d'investir dans une start-up de crypto-monnaie. Oh, c'est intéressant.
Oui, j'ai vendu mon entreprise de sécurité privée il y a 2 ans, et depuis je cherche où investir mon argent. Ah oui, ça doit bien vous occuper. Oui, assez. Donc voilà, on y est. Waouh, la déco est sympa. Ouais, franchement, c'est très cosy. Je vais vous faire la visite. Vous avez une première chambre au fond du couloir et une autre juste ici. Et il y a une salle de bain là. Vous verrez, j'ai mis des serviettes et il y a tout ce qu'il faut dans le placard. Génial. Ah, oui, et pendant que j'y pense, la télé est un peu capricieuse, mais j'ai prévu de faire venir un réparateur. Ça va s'arranger. Si vous voulez, je pourrais y jeter un œil. Je suis ce qu'on appelle un bricoleur du dimanche. J'adore ça. Super, mon évier est bouché là-haut. Vous pourriez peut-être y jeter un coup d'œil aussi. Ouais, avec plaisir. Je disais ça pour plaisanter, hein, mais après tout, pourquoi pas. D'accord, j'essaierai. Bon, si vous avez besoin de, je sais pas, quoi que ce soit, je suis juste en haut des escaliers. La porte donne directement sur ma cuisine. Ah oui, et je vous ai laissé une liste sur le buffet. Ce sont mes restaurants préférés en ville, on sait jamais si un jour ça vous tente. Formidable, merci d'y avoir pensé, c'est sympa. En fait, c'est la première fois que je passe par ce site de location, alors quand vous serez installé, si vous aimez la maison et ce que je propose comme service, n'hésitez pas à me donner une note et mettre un petit commentaire. C'est une très belle maison et l'accueil est parfait, donc je le ferai avec plaisir. Merci. De rien. Bon bah super, je vous laisse un trousseau de clés ici. Je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne installation. Merci pour tout, vous êtes super. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonjour. Vous préparez le petit déjeuner? C'est la meilleure façon de commencer la journée, non? Anna, mon ex, ne supportait pas que j'aie le moindre kilo en trop, alors j'avais pris l'habitude d'aller courir et maintenant je me fais plaisir. Je voulais vous prévenir, le Big facteur... Big Box Outlet, c'est quoi? Oh, c'est un petit job temporaire. J'ai perdu mon travail dans mon cabinet d'avocat récemment et... Vous n'avez pas à vous justifier. Ça ne me regarde pas. Et je jugerai jamais quelqu'un qui travaille dur pour subvenir à ses besoins. Je pourrais éventuellement toucher un mot à Anna, ça vous remettrait le pied à l'étrier. Le cabinet pour lequel elle travaille a des filiales à travers tout le pays. Ça pourrait peut-être vous dépanner. Vous croyez qu'Anna ferait ça? Ouais, pourquoi pas. On a beau être séparés, on est en bon terme. C'est une jolie manière de voir les choses. Savoir se séparer en restant bons amis, je trouve que c'est génial. Ouais, je suis d'accord. Bon, et bien bonne journée. Merci, vous aussi. Bonjour. Bonjour. Ah, enfin vous voilà, l'ex-avocate dont j'avais besoin. Bonjour, Brandon. Venez dans mon bureau, j'ai quelque chose à vous montrer. Asseyez-vous ici, je vous en prie. Voilà, j'ai un petit problème juridique à régler et j'aimerais en discuter avec vous. J'ai pas les moyens de faire appel à un cabinet d'avocats. Je me disais que ce serait plus simple de solliciter vos compétences. Allez-y, je vous écoute. Cet endroit n'est pas très, disons, propice à la discussion. Et si on se voyait plutôt ce soir autour d'un dîner, je vous invite. Comme ça, j'aurai le temps de vous expliquer. Monsieur Matthews, j'apprécie votre invitation. Évidemment, je vous paierai. Je vous donnerai $150 de l'heure en échange de vos services. Qu'est-ce que vous risquez? On dîne, vous écoutez et vous rentrez chez vous. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Vous savez, Sarah m'a dit que vous aviez mis une partie de votre maison en location. J'imagine que vous êtes un peu désespéré. Et pour tout vous dire, moi aussi. Très bien. Merveilleux. Parfait. Je réserve une table ce soir à 20h au Fat Cow Oysterbar. Ils ont de la cuisine variée et le restaurant est en plein centre. C'est noté. 20h, j'y serai. Super. J'ai hâte d'y être, Alison. Tu lui as dit que j'avais loué ma maison, ça va pas à la tête? Il se renseignait sur ta situation, c'est pas si grave. Non, c'est pas grave, mais
Mais il est tellement écœurant. Il t'a demandé de sortir avec lui? Non, il a dit qu'il avait seulement des questions juridiques à me poser et il va me payer. Ok, mais attention, n'oublie pas que se montrer trop gentil avec l'agent masculine. Oui, je sais ce que tu vas dire. Comment ça se passe avec la famille? Eh ben, finalement, il n'y a pas de famille. Ah bon? Ils étaient censés venir ensemble, mais entre-temps, ils se sont séparés. Alors quoi, est-on planté? Non, le père est tout seul. Tout seul? Sa fille vient le voir la semaine prochaine et... il est 10 ans. Tu vas quand même pas me dire que c'est le plus beau mec que t'aies vu de toute ta vie? Non, ce que j'allais dire, c'est qu'il est sympa. Mais effectivement, il est aussi bel homme, charmant, et super bien gaulé. Tais-toi, je te déteste. Et c'est pas fini. Ce matin, quand je suis descendue de ma chambre, il était en train de préparer un super petit-déj. Un homme des temps modernes doublé d'un cordon bleu. Mais il était dans ma cuisine. Et alors? Ça fait pas partie de l'accord qu'on a passé. Oh, et tu crois qu'il est au courant? Je crois que je l'avais mentionné dans l'annonce. Tu lui as rappelé le règlement? Alison? Michael? Il me semblait bien que c'était toi. La dernière fois que je t'ai vu, c'était à l'université. Comment tu vas? Comme tu peux le constater, ça va nickel. J'ai reçu une promotion qui me permet de gérer la section meubles de jardin. Encore un effort et je serai au rayon produits laitiers, tu vois. Et toi alors, quoi de neuf? Tu devais pas retourner vivre à Orlando? Si, mais je suis revenu ici il y a 6 mois pour le travail. Ah. Crowder et associé. Waouh, joli parcours. Ça va, ouais, je me plains pas. Oh, désolée. Michael, je te présente Sarah. Sarah, salut. C'est Michael. Michael et moi, on a étudié ensemble. Et Sarah est une copine d'école, on se connaît depuis qu'on est toute petite. Tu es Sarah Williams? Je me souviens, à l'époque, Alison parlait tout le temps de toi. Tu te souviens de ça? J'ai de la mémoire pour ce genre d'informations. Impressionnant. Ouais, c'est vrai, t'avais une excellente mémoire, je me rappelle maintenant. Ce qui explique pourquoi t'étais toujours le meilleur de la classe. Et toi, tu avais cartonné à l'examen oral. Exact. Je m'en souviens très bien. S'il vous plaît. J'arrive tout de suite. Donc, j'en déduis que ça ne s'est pas bien passé avec Fairfax. C'est une longue histoire, mais... en gros, le problème, c'est que je me suis séparée de mon ex et depuis... Edwin, c'est ça. Je n'ai jamais senti ce gars-là. Ah oui, eh bien, vous êtes nombreux dans ce cas. J'ai été la dernière à percuter. C'est qui, lui? Oh, lui, c'est mon patron. C'est Monsieur Matthews, ou plutôt Brandon. Monsieur veut que je l'appelle par son prénom. Et il te regarde toujours avec cet air-là? Peu importe. Mais tu sais, le cabinet qui m'a embauché recherche de nouveaux collaborateurs en ce moment. Tu pourrais peut-être poser ta candidature. Non, t'es sérieux? Va voir sur le site. Crowder et associé. Merci. Réfléchis et quand tu seras prête, tu me téléphones ou tu m'envoies ton CV par mail, d'accord? J'arrangerai un rendez-vous. Tu mérites mieux que tout ça. Et j'ai vu que vous aviez utilisé ma cuisine. Oui, j'espère que ça vous dérange pas. Je me suis dit que ce serait sympa de préparer un bon petit dîner. Et si on le partage, c'est encore mieux. Ce que je veux dire, c'est que je préférerais que vous... bonsoir. Bonsoir. En fait, ce que j'allais dire, c'est que... en mettant l'annonce, j'avais pas vraiment l'intention de partager ma cuisine avec les locataires du dessous. Non, je suis désolée, c'est moi. J'ai pas été assez claire, c'est entièrement ma faute. Non, quand vous m'avez dit de frapper, si je voulais monter dans la cuisine, j'ai cru... Oublions cette histoire. D'accord. Désolé, c'était un petit malentendu. Maintenant, je sais. Je recommencerai pas. Je vous remercie, c'est gentil. J'ai profité de l'occasion pour réparer l'évier là-haut. Tant qu'à faire. C'est vrai? Ouais. Vous voulez que... Oh, oui, je vous en prie. Donc, tout à l'heure, ça bloquait encore un peu, mais depuis, ça a dû se dégager. Et voilà. Oh, c'est malin. Maintenant, j'ai mauvaise conscience. Non, il faut pas. En fait, c'est moi qui devrais vous payer pour vivre ici. J'ai une bien meilleure idée. Si on dînait ensemble, vous avez faim? C'est prêt. Oh, ça aurait été avec plaisir. Mais j'ai d'autres projets ce soir.
Ah, je comprends. C'est pas grave. Mon patron m'a invité à dîner. Et si j'avais le choix, je m'en serais bien passée. Le travail avant tout, c'est tout à fait normal. Je vais débarrasser la table et vous laisser tranquille. Non, 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 attendez. Maintenant que c'est fait, restez manger ici. Vous vous êtes donné du mal, vous avez tout préparé. Merci pour la proposition, mais ce serait un peu bizarre si je dînais seule dans votre cuisine. Eh ben, c'est ce que je fais au quotidien. Ouais. Je vous laisse. Je dois aller me préparer pour le rendez-vous que je rêve d'annuler. Ouais. Désolée de ne pas être disponible ce soir. Vous en faites pas, c'est pas grave. Vous allez l'adorer, c'est un vin italien. Merci. Pas pour moi, je vais rester à l'eau, je vous remercie. Bien, ça en fera plus pour moi. Alors, je vous écoute, de quoi vous vouliez me parler? Quoi? Pas de préliminaire? Qu'est-ce que vous dites? Je ne sais pas, il me semble que les avocats ont un rapport un peu plus chaleureux avec leurs clients d'habitude. Peut-être, mais je ne suis pas votre avocate. Vous avez raison, vous êtes mon employé et j'aimerais apprendre à vous connaître. Alors un minimum d'effort pour faire plus ample connaissance ne me paraît pas être la mer à boire, si? Écoutez, je vais être honnête avec vous. Je suis convaincu que vous et moi pouvons faire une bonne équipe. C'est pourquoi j'aimerais vous faire une proposition. Assistante de direction. Pourquoi pas Sarah? Parce que Sarah n'est pas très maligne. Je vois bien comment vous gérez les choses, comment vous vous adressez aux clients. Je vois tout de là-haut. Ne faites pas ça. Sarah est en poste depuis des années, c'est la mieux placée pour avoir une promotion. Sarah a dépassé la date de péremption, désolé. C'est pourquoi je fais appel à vos talents d'avocate. Comment faire pour que vous preniez sa place? Impossible, il y aurait un conflit d'intérêts. Eh bien, vous auriez une augmentation conséquente. Peut-être même une commission. Et bien entendu, des avantages en nature. Vous n'allez pas le regretter. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas faire un scandale ici. Je vais vous dire ce que vous faites. C'est du harcèlement sexuel. S'il vous plaît, une seconde. Ne faites pas l'idiote. Restez là, Allison. Allison, quel est le problème? Ça suffit, laissez-moi tranquille. Vous avez dépassé les bornes. Arrêtez d'en faire des tonnes. Moi, j'en fais des tonnes? Vous avez abusé de moi. Je vous ai à peine touché, ça suffit. Hé, hey. Occupez-vous de vos affaires. Je crois que la jeune femme vous a demandé de la laisser tranquille. Alors partez. Vous allez le regretter. Alors c'est lui, votre patron? Oui. Qu'est-ce que vous faites ici? J'avais passé à table et puis je me suis dit qu'on pourrait remettre ça à demain, alors j'ai commandé du chinois. Vous êtes sûr que ça va aller? Ça ira. Retournez à la maison. Je récupère le chinois et on peut le manger ensemble. Ah, merci, c'est très gentil. Mais j'ai pas très faim, je vais plutôt aller me coucher, je crois. Bien, d'accord. Merci pour le coup de main. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Sarah. Désolée, j'ai raté ton appel. Tout va bien? T'avais raison. À propos de Brandon. Oh non, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a... J'arrive pas à croire qu'il se soit jeté sur moi comme ça. C'est pas vrai. C'est l'histoire de ma vie. J'attire constamment ce genre de malade. Non mais sérieux, ça doit venir de moi? Non, non, ça vient pas de toi. Commence pas à te remettre en question. Ce type est un vrai pervers. Comment je vais faire pour affronter son regard demain? Écoute, si tu veux raconter ce qui s'est passé aux ressources humaines, je te soutiendrai. Ça fait trop longtemps que Brandon se permet ce genre de choses. Tu veux que je te dise? Là, il a frappé à la mauvaise porte. On n'est plus à l'âge de pierre. C'est clair. Bon, il est tard, je vais essayer de trouver le sommeil. D'accord? On en reparle demain. De bonne heure et de bonne humeur. Bonne nuit. Merci. Dors bien.
Vous êtes déjà debout? Oui, je continue de me réveiller en même temps que l'ouverture de la bourse. Ça doit pas être simple sur la côte ouest. D'où cette forte envie de café? J'imagine. Je vous en ai pris un au passage en me disant que je vous croiserai peut-être et apparemment j'ai bien fait. Merci. Tenez. Eh ben, c'est votre femme qui devait avoir la belle vie. C'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est pas grave, je vous assure, tout va bien. Ah, au fait, j'ai discuté avec Anna et elle est d'accord pour vous aider. Simplement, il lui faudrait votre CV. C'est vrai? C'est génial? Ouais, je vous enverrai ses coordonnées. Oh, merci beaucoup, James. De rien. Et encore désolé que vous ayez assisté à la scène d'hier soir. Quoi? Non, non. Content d'avoir été là, personne n'a le droit de vous traiter de cette manière. C'est gentil à vous. Je vous en prie. Merci. Bonne journée. Au revoir. Salut. Bonjour. Et mon café, il est où? Ah, James me l'a donné. Oh, alors maintenant c'est petit déjeuner au lit. Dis pas de bêtises. Je vais peut-être le louer, moi, mon sous-sol. Ah non, j'en ai pas. Tant pis, je vais peut-être louer mon salon. Morte de rire. Oh, et je t'ai pas dit? Sa femme, enfin, son ex-femme est avocate, elle aussi. Et elle veut bien jeter un coup d'œil à mon CV. Deux contacts en 24 heures. C'est plutôt bien parti. Sarah, tu sais que je te suis reconnaissante de m'avoir trouvé ce boulot. Mais oui, je le sais. Et tout le monde sait que t'es surqualifiée. Ça prendra sûrement du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Excusez-moi, Allison. Je peux vous voir une minute, s'il vous plaît? Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue. Vous allez voir, il y a un tas de promotions. Bien, écoutez. Allison. Non, monsieur Matthews. S'il vous plaît, j'aimerais bien finir. Vous parlerez après. Je tiens à ce que les choses soient très claires. Hier soir, je vous ai demandé de l'aide en espérant régler un problème personnel. Maintenant, si vous préférez m'accuser à tort et à travers, vous ne me laissez pas le choix. Vous ne pouvez plus travailler ici. Monsieur Matthews, Brandon, j'ai vraiment besoin de ce boulot et je vous présente mes excuses si vous n'avez pas apprécié ma réaction. Très bien. J'espérais que vous diriez ça. Ça va? Oui, vous. Et en plus, vous avez la main verte, c'est formidable. Ouais, enfin j'essaie. Ça vous dérange pas? Pas du tout. Au contraire, j'avoue que ça m'arrange, je le ferai pas moi-même alors. J'ai vu sur votre profil que vous aimiez les pétunias, alors j'en ai planté. J'ai écrit ça? Dans la section ce qui me plaît dans la vie. C'est marrant, j'aurais plutôt pensé que vous aimiez les tulipes, mais... Ça m'apprendra à raconter ma vie sur Internet. Exactement. Oh, excusez-moi une petite minute. Allô? Michael? Comment t'as eu mon numéro? C'est vrai? Ils veulent me rencontrer? C'est vraiment génial. Ouais, d'accord, on dîne ensemble. Le Friendly Bistro à 19h, c'est noté. Super, à tout à l'heure. Salut. Qui c'était? Oh, un vieil ami. On a étudié le droit ensemble et ses associés aimeraient me rencontrer. Super, c'est bien ça. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, c'est... Je sais pas. Il est toujours très content de me voir. Ça m'embêterait qu'il se fasse des films. Y a rien entre nous. Vous voulez que je vienne avec vous? Je pourrais me cacher dans un coin, déguisé, et je lui saute dessus s'il vous embête. Je devrais m'en sortir. Ok. Je peux me permettre de vous demander un verre d'eau? Oui, venez. Vous pensez que ça va finir tard ce soir? Non. L'idée, c'est surtout qu'il me donne des infos sur le cabinet avant l'entretien. C'est cool. Tenez. Merci. Je vous en prie, je monte me changer. D'accord.
Comment ça s'est passé avec votre patron aujourd'hui? En gros, il a dit que ma réaction était démesurée. Voilà pourquoi il faut que je réussisse cet entretien. Il me faut ce travail à tout prix. Vous êtes sûr que c'est pas un rendez-vous galant? Oh, croyez-moi, c'est strictement professionnel. Et vous, qu'est-ce que vous faites ce soir? Rien de spécial. Je vais finir de jardiner et ensuite je répondrai à mes mails. J'aurais aimé rester ici. Pourquoi? C'est une super opportunité pour vous. Oui, vous avez raison. Merci encore pour les fleurs. Je vous en prie. Merci pour le verre d'eau. Avec plaisir. À plus tard. Ouais. Tu te souviens de ces longues soirées à étudier au Calhoun Café dans le Kentucky? Ils avaient le café le plus fort de la ville. J'ai jamais pu le boire. Tu buvais pas de café? Comment tu faisais pour pas t'endormir? J'en sais rien, j'en ai jamais eu besoin, en tout cas. C'est marrant, je me souviens du jour où Edwin a essayé de t'embarquer. On était assis tous les deux tranquilles et il est entré avec son petit air d'enfant perdu devant tout un tas d'avocats. Ouais, il détestait les avocats. Et le Kentucky. On va dire que c'était un signe. Il voulait pas te perdre, ça c'est sûr. Je le comprends en même temps. Comment ça? Moi aussi, j'avais craqué pour toi à l'époque. T'es sérieux? Tout le monde te voulait. Mais j'ai passé mon chemin. Par respect pour toi avant tout. À propos, ton patron t'orluque toujours de derrière sa fenêtre? Ah, toujours, oui. Enfin, plus pour très longtemps, normalement. Justement, j'ai discuté avec mes associés. Ça y est, tu l'as fait? Je leur ai parlé de tes diplômes, de ta performance à l'examen. Ça les a beaucoup impressionnés. Ils aimeraient bien que tu rapportes ton CV lors de l'entretien. Oh, je suis désolée. Ne t'en fais pas. Tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on m'a pas annoncé une bonne nouvelle. Alors ça se fait. À ton avenir. À la tienne. Attends-toi à un coup de fil en fin de semaine, pas de stress. Et reste toi-même. Je t'envoie les coordonnées du cabinet. Comme ça, tu sauras que c'est le bureau qui t'appelle. Très vintage, ton téléphone. C'est plus simple. Et pour savoir quel temps il fait, j'ouvre le journal à la page météo. Oui. James? J'arrive, une seconde. Salut. Devinez qui va avoir un entretien? C'est vrai? Félicitations, c'est génial. Oui, c'est super, et ces temps-ci, les bonnes nouvelles ne courent pas les rues, alors j'ai apporté une bouteille de vin. On la boit chez vous? Mikasa Sukasa, c'est ça le concept. Chouette, merci. Allez-y. Moi aussi, j'ai habité ici pendant quelques temps. Ouais, je me doutais qu'à l'origine, c'était une maison de famille. Il n'y a pas grand monde qui pourrait se l'offrir aujourd'hui. Pas après un an de carrière d'avocate, en tout cas. J'imagine.
En fait, quand mon père est mort, ma mère a eu envie de changer de vie, alors elle est partie s'installer à Sedona, pour une raison étrange. Ah, la capitale du New Age. Vous êtes un connaisseur? C'est le centre spirituel des États-Unis. On a beaucoup à apprendre des Indiens d'Arizona concernant la paix, l'amour, la vie. Encore faut-il s'y intéresser. Vous êtes déjà allé à Sedona? Anna et moi, c'est là-bas qu'on s'est mariés. Je dois vous faire un aveu. Je vous ai entendu discuter. Avec Anna? Comment ça? Ah, c'est une vieille maison, les murs sont fins, on entend tout. Et j'essayais pas de vous espionner, hein. Seulement, je trouve ça génial que vous réussissiez à rester amis tous les deux. Les ruptures sont parfois tellement difficiles. En fait, elle et moi, on n'était plus sur la même longueur d'onde depuis très longtemps. Y compris au niveau intime. Ça faisait des années. Vraiment, des années? Désolé, c'est un peu trop personnel. Oh non, non, pas du tout d'ailleurs. C'est même réconfortant de savoir que je suis pas la seule à passer un cap difficile. Dans ce domaine. Vous parlez de votre ex? Oui. Lui et moi, on était un couple mal assorti. À quel niveau? Il était possessif et jaloux envers mes amis et mes collègues de travail. Ça devait pas être facile à gérer. Est-ce qu'il s'est montré violent? C'est fini maintenant, c'est du passé. Il a eu de la chance. J'étais pas là pour prendre soin de vous. Peu d'hommes auraient réagi comme vous hier soir. Vous mettre en danger pour me venir en aide, c'est pas commun. J'espère que je suis pas quelqu'un de commun. Non. Vous n'êtes pas comme les autres. Je suis désolée. Quoi? Non, j'aurais non, jamais non. dû vous embrasser. Non, vous en faites pas. Tout va bien, non, c'est non, pas grave. C'est moi qui vous loue la maison. Je ferais mieux de remonter chez moi. Alison, désolée. Non, attendez, je vous présente mes excuses. Je crois que j'ai du mal à interpréter la situation. Non, pas du tout. C'est pas vous. Vous n'y êtes pour rien. Dans le contrat de location, il n'y a aucune clause à ce sujet, je crois. Écoutez, moi, j'ai cuisiné chez vous. Et vous m'avez embrassé, donc on peut dire qu'on est quitte. Vous n'êtes pas traumatisée, alors? Non, non, pas du tout. Ce qui est arrivé. Entre nous, c'est cool. Tout est cool? Ouais, tout est cool. Ça va avec ton locataire? James? Oui, il est plutôt cool. Une minute, qu'est-ce que ça veut dire? Raconte-moi. Quoi? Il s'est passé quelque chose entre vous? On s'est embrassés. Oh, t'es sérieux? Chut! Allez, raconte! Comment vous en êtes arrivé là? On était assis sur le canapé, on discutait, et un sujet en a amené un autre. Oh, je me sens coupable. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Parce que c'est mon locataire. Alison, voici les officiers Fitzgerald et Reynolds. Ils aimeraient s'entretenir avec toi. C'est à quel sujet?
Quand avez-vous vu Monsieur Matthews pour la dernière fois? La dernière fois, c'était hier. Disons qu'on a eu une petite altercation. À propos de quoi? Avant de travailler ici, j'étais avocate. Il m'a demandé de l'aider à régler un problème personnel. Et j'ai pas voulu. Vous pensez que quelqu'un lui en voulait? Non, en tout cas pas que je sache. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait quelque chose de mal? Qu'avez-vous fait après la dispute? Rien, je suis retournée travailler. Puis je suis rentrée chez moi. Ensuite, j'ai retrouvé un ami avec qui j'avais rendez-vous pour dîner. Un vieux copain de l'université. Comment il s'appelle? Michael Hammond. Il pourra confirmer ce que vous dites? Oui, évidemment. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Brandon Matthews a été tué hier soir. Il a été brûlé vif. Quelle relation aviez-vous avec lui? Il était tout simplement mon patron, c'est tout. Est-ce que votre relation de travail avait pris un tournant plus personnel? Non. Rien de sexuel ou qui pourrait s'apparenter à ce genre de choses? Pourquoi vous me posez cette question? Madame Peters, le portable de Monsieur Matthews a été retrouvé dans l'incendie hier soir. La police scientifique a pu en extraire les données. Vous avez échangé des SMS avec lui quelques minutes avant le meurtre. Qu'est-ce que vous dites? Salut, c'est Allison, on se redonne une chance, on discute autour d'un verre, je promets de ne pas m'énerver, j'étais sûre que tu avais l'esprit d'équipe, on se retrouve où? Comme la dernière fois, dans 15 minutes. Marché conclu. J'ai jamais écrit ça. 555-01-99, c'est bien vous? Non, c'est pas mon numéro, absolument pas. C'est pas le vôtre? Non. Quelqu'un de votre entourage aurait des raisons d'en vouloir à Monsieur Matthews? Peut-être. Une personne qui souhaiterait se rapprocher de vous? Ton patron t'orlue toujours de derrière sa fenêtre? Ça se fait pas. Tu mérites mieux que tout ça. Allison, qu'est-ce qui se passe? Allison, tout va bien? Eh, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été assassiné. Quoi? De qui vous parlez? De mon patron. Le type du restaurant? Oui. On sait qui a fait ça, ou? Non, pas encore, mais... Vous attendez quelqu'un? Oui. Salut. Salut. Comment tu te sens? Je pouvais pas rester après avoir appris la nouvelle. Ouais. Et toi, ça va? Non, ça va pas. Sarah, je te présente James. James, voici Sarah. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée de ce qui est arrivé à votre patron. C'est gentil. Ils t'ont posé des questions à toi aussi? Ils ont interrogé tout le monde. Ah, ça vous tente une tasse de thé? Ouais, je veux bien. Merci, James. De rien. Est-ce que t'es au courant que quelqu'un a envoyé un texto à Brandon en se faisant passer pour moi? Non, c'est pas vrai. Si, je t'assure. Ça venait de ton téléphone? Non, ça a été envoyé d'un autre téléphone, mais ils savent toujours pas à qui il appartient. Donc quelqu'un essaie de te faire porter le chapeau? Je reviens pas. C'est flippant. C'est le cabinet de Michael. Branche le haut-parleur. Allô? Madame Peters, je suis la secrétaire de Cameron Crowder et Associés. Bonjour. Monsieur Crowder aimerait s'entretenir avec vous. Demain à 14h, ça vous conviendrait? Oui, à 14h demain, c'est parfait. Parfait, c'est noté. Alors à demain. Oui, au revoir. Pourquoi t'as dit oui? Pourquoi Michael aurait fait ça pour moi s'il avait voulu tuer Brandon? Attends, ça me paraît évident. Merci pour le thé. Vous en prie. Il élimine les obstacles et il te veut pour lui tout seul. Certains hommes peuvent se montrer très possessifs, voire même dangereux. Et d'après ce que je sais de Michael, j'ai pas confiance. À ta place, j'irai même pas à l'entretien. Moi non plus. Et si je dormais là ce soir? Comme ça, tu seras pas toute seule chez toi. Et s'il veut s'en prendre à toi, il faudra d'abord qu'il passe par moi. Et moi, je serai en bas. En cas de problème, vous serez en sécurité. Merci, James. Vous me connaissez pas encore. Mais quand je m'énerve, je deviens une vraie tigresse. D'accord, on reste ensemble. Et on veille les uns sur les autres. Ça marche? On fait ça. Ouais.
J'ai entendu du bruit. S'il te plaît, arrête de dire ça. T'inquiète pas, ça devait être le vent, mais... Mais quoi? Viens avec moi, on descend. Ok. Tu sais ce que tu devrais acheter? Quoi? Un verrou pour chaque porte. J'ai pas besoin d'un verrou pour chaque porte. Bien sûr que si. Mais t'as vu combien il y a de portes dans cette maison? Au moins, tu serais en sécurité. Et mets un verrou à la porte du sous-sol. Pourquoi? Quand on loue une partie de sa maison, la moindre des choses, c'est de délimiter les espaces. James pourrait mal le prendre. Mais James ne vivra pas ici éternellement. Ouais, c'est vrai. T'as remarqué qu'il est devenu bizarre quand j'ai dit que je restais? Oh, tu vas pas recommencer avec ton sixième sens, hein. Mon sixième sens t'a sauvé la mise plus d'une fois, je te signale. T'as déjà oublié? Allison! Écoute, on est tous sur les nerfs avec cette histoire. Je suis sûre qu'il voulait seulement nous protéger. Attends, je récapitule. Tu m'écoutes? Oui. Il est monté chez toi, deux fois. Il est monté pour faire la cuisine. D'accord, parce que sur le site, l'information n'était pas claire. Mais à part ces deux fois-là, qui te dit qu'il ne vient pas traîner chez toi quand tu n'y es pas? Sarah... Mais quoi? Je m'adresse à la propriétaire. Oublie ce que tu ressens pour lui. Tu dois établir un règlement et tout le monde doit s'y tenir. Que ce soit avec James ou un autre locataire, c'est important de le faire respecter. Le faire respecter? Allison, t'as toujours peur de vexer les gens. Voilà comment tu te retrouves dans des situations impossibles. Si James est aussi sympa que tu le dis, il comprendra sans problème. T'as raison. Bon, on retourne au lit, tu veux bien? Ouais. Il n'y en a plus après celui-là? Non, c'est le dernier. Ah, merci beaucoup, c'est génial. Je vous en prie. Merci. Et voilà les clés. Super, bonne fin de journée. C'était un serrurier? Je discutais avec Sarah hier soir. Et elle m'a convaincue de poser un verrou sur la porte qui sépare le sous-sol du reste de la maison. Bonne idée. Vous trouvez? Ouais. Si vous louez régulièrement votre sous-sol à des inconnus, alors c'est plus prudent. J'avoue que j'avais peur que vous preniez mal le coup du verrou et toutes les règles que je vous impose, c'est... Non, je comprends tout à fait. Vous devez faire attention à vous. Oh, désolée. Allô? Madame Peters, c'est l'officier Fitzgerald. Oui, bonjour. Vous avez du nouveau sur l'affaire? Oui, je voulais vous tenir au courant. On a un suspect pour le meurtre de Brandon Matthews, on l'a arrêté. C'est vrai, déjà? C'est un SDF, on l'a retrouvé alcoolisé avec le téléphone dans sa poche. Il avait aussi l'essence à briquet, la totale. C'est une excellente nouvelle. On ne sait toujours pas pourquoi cette personne s'est fait passer pour vous, et on ne connaît pas le mobile du meurtre, mais quand le suspect retrouvera ses esprits, on devra en savoir plus. Très bien. Si je peux vous être utile, surtout n'hésitez pas à m'appeler. Je n'hésiterai pas. Au revoir, et merci. Ils ont eu le type qui a tué mon patron, ça y est. Alors, c'était pas Michael? Je m'en veux tellement. En même temps, je trouve ça plutôt rassurant. Moi aussi, ça me rassure que ce soit pas Michael, mais il va m'en vouloir à mort et je comprendrai. Comment ça? Bah, si la police l'a appelé, il saura que j'ai donné son nom, et je serais pas étonnée qu'il leur ait donné un coup de main pour résoudre l'affaire. Bon, je ferais bien d'aller me préparer pour l'entretien. Ah, et au fait, tenez, c'est votre nouvelle clé. Je vous remercie. Si vous voulez, on peut dîner ensemble ce soir. Vous pourriez m'aider à travailler sur les règles de location? Avec plaisir. On fait comme ça. Super. À tout à l'heure. Votre parcours est impressionnant. Vous étiez première en débat, diplômée avec mention. Je sais seulement qu'on vous a renvoyé de Fairfax et... qu'une clause de confidentialité interdit à tout le monde d'aborder le sujet. Bien entendu, je ne vais pas vous demander d'enfreindre cette clause, mais... puis-je avoir quelques pistes afin de mieux comprendre? C'est une période de ma vie que je préfère oublier. Pour tout vous dire, j'ai eu une aventure avec un collègue du cabinet. Je ne me suis pas fait renvoyer. Je suis partie. Ma vie était devenue tellement compliquée que j'ai préféré tout arrêter... et reprendre depuis le début. J'aime le droit, Monsieur Crowder. Et je donnerai tout ce que j'ai pour avoir une seconde chance. J'apprécie votre honnêteté, Madame Peters.
ainsi que votre intégrité. Je suis désolée, je t'avais pas vu, ça va? Rien de cassé. Alors, raconte. Je dirais que ça s'est bien passé. Cool. Ouais. Je suis ravie pour toi. Oh, c'est un peu trop tôt pour se réjouir. Il faut pas vendre la peau de l'ours, tu connais le dicton. Il serait complètement fou de passer à côté de quelqu'un comme toi. Je voulais te dire, je suis désolée pour ton patron. Les flics m'ont appelé et m'ont dit ce qui s'était passé. Et moi, je suis désolée d'avoir donné ton nom à la police. Non? Tu as simplement envisagé toutes les possibilités, comme tout bon avocat. Je te remercie. Bon, je voudrais pas vendre la peau de l'ours, mais j'ai hâte de bosser avec toi. Moi aussi. Comme au bon vieux temps. Ouais. À bientôt. À très vite. Au revoir. Et s'il est là pour deux jours, je fais comment? Tu imposes les horaires. Ça me va. Oh, une seconde, j'ai un mail. De la part d'Anna. Bonjour Allison, James m'a dit que vous cherchiez un emploi. Merci de me faire parvenir votre CV dans les plus brefs délais. Attends, c'est génial! Ouais. Mais comment je vais annoncer ça à Michael? Pour l'instant, on frappe à toutes les portes et tu verras bien. T'as ton CV sous la main? Ouais, bien sûr. Ok. Bonsoir, Anna. Je vous remercie pour votre aide. Voici mon CV. J'attends de vos nouvelles avec impatience. Allison Peters. Et... c'est envoyé. Bravo. Oh! Je crois que c'est James qui revient. Oh, je sens que la température va monter d'un cran. Sarah, t'as quel âge? C'est toujours d'accord pour demain? Oh, seulement si j'ai pas le choix. T'as pas le choix, ma grande. Ok, bonne soirée. À demain. Et le meilleur moment du dîner, de la crème glacée à la noix de coco. J'espère que ça va pas trop à l'encontre de votre régime. Si, complètement. Vous avez toujours été aussi disciplinée? Si je vous montrais des photos de moi adolescent, vous auriez du mal à me reconnaître. Ah oui, à ce point-là? J'étais en surpoids. J'avais de l'acné plein le visage. Autant dire que j'étais pas beau à voir. C'est pour cette raison que... j'ai fait un régime et que je me suis mis au sport intensément. Oui. Pas consciemment, mais... les autres ont arrêté de se moquer de moi. Je suis désolée que vous ayez eu à subir ça. Non. Non, c'était pas si grave. Je suis pas sûre. Je me souviens un jour à l'école, un des élèves avait copié sur moi pendant un contrôle. Et quand il s'est fait avoir, il a dit au professeur que c'est moi qui lui avais donné les réponses. C'était vrai? Non, pas du tout. Et c'est à ce moment-là que vous avez décidé de devenir avocate pour établir l'ordre dans le monde. C'est mon père qui voulait absolument que je devienne avocate. Et j'ai jamais osé lui dire non. Résultat, quoi que je fasse, c'était jamais suffisant à ses yeux. C'est sans doute pour ça que... j'ai pas su affronter Brandon. Ni lui, ni aucun homme dans ma vie. C'est différent. Ce type a voulu jouer avec le feu et il s'est brûlé. Quoi? Non, c'était une façon de parler, c'est tout. Je vous ai dit qu'il était mort dans un incendie brûlé vif? Non, je crois pas que vous m'en ayez parlé. Mais je l'ai vu aux informations, il s'appelait Brandon. Brandon Matthews. C'était votre patron? Oui. Oh mon Dieu. Ça doit être terrible de mourir de cette façon. Oui. Oh, rappelle-moi pourquoi on s'inflige ça. Parce qu'on essaie d'être raisonnable. Comment va le tombeur? Alors, t'as couché avec lui? Non, pas du tout, d'autant qu'il a... Quoi? Raconte. Hier soir, il a dit un truc bizarre. Ah oui? Quel genre? Tu lui as dit, toi, que...
Brandon était mort brûlé vif? Bien sûr que non, pourquoi? C'est bizarre, il dit qu'il l'a su en regardant les informations, mais j'ai fait une recherche sur internet et j'ai pas trouvé une seule ligne sur le meurtre. Ah. Tu sais ce que je pense? Je pense que t'as la trouille. La trouille de quoi? De te lâcher et d'avoir des sentiments pour un homme. Oh. Ce serait pas étonnant, je veux dire, c'est la première fois qu'un mec te plaît depuis un bon moment, alors tu fabriques des excuses pour pas aller trop loin. Comment il a pris le nouveau règlement? Très bien, il a dit qu'on aurait dû le mettre en place dès le début. Génial, alors vois le bon côté des choses et profite du moment présent. Quand on parle du loup... Salut! Salut! Mesdames... Comment vous vous sentez? J'ai encore un peu mal, mais ça devrait s'arranger. Alors, ce footing, c'était sympa? La pire décision de ma vie. Oh! C'est Crowder et associé. Dépêche-toi, décroche et mets-le au parleur! Oui. Allison Peters? Bonjour Allison, c'est Cameron Crowder. Je ne vous dérange pas? Oh non, non, pas du tout. J'attendais de vos nouvelles. Très bien. Alors, premièrement, mettons fin au suspense. Je serais ravi que vous rejoigniez l'équipe. Vraiment? Oui, vous êtes honnête, enthousiaste et votre CV est excellent. J'aimerais que vous commenciez la semaine prochaine. Avec plaisir. Merveilleux. Dites-moi, je change de sujet, mais vous avez des nouvelles de Michael? Michael, non. Moi non plus. Il ne répond plus depuis hier. C'est pas son genre de ne pas décrocher son téléphone. Maintenant que vous le dites, c'est vrai que je lui ai envoyé un texto hier soir et il n'a pas répondu non plus. Il est encore tôt. Il a sûrement une bonne raison de ne pas être là. Oui, il va sûrement arriver. Bien, à la semaine prochaine. Oui, merci beaucoup, Monsieur Crowder. Je suis impatiente de rejoindre votre équipe. Avec plaisir, Allison. Au revoir. Au revoir. Félicitations, je suis trop contente pour toi. T'as décroché le poste, c'est génial. Oh, pitié, dis-moi que tu leur as dit qu'il n'y a pas meilleur standardiste que moi. Pas encore, mais je le ferai. Super. Félicitations. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. J'espère que Michael va bien. Mais oui, t'inquiète pas, tu sais quoi? On va fêter la nouvelle ce soir. Si on dînait ensemble. Dis oui. Ça me ferait plaisir. Génial. On se fait un dîner tous les trois. Non, je vais être de trop, je préfère pas. Quelle idée, mais bien sûr que non. Et il va bien falloir qu'on fasse connaissance un jour ou l'autre. Oui. Bah oui, alors. Ah, oh, vous avez gagné, c'est d'accord. Super. Génial. Bon, je repasse chez moi me changer et je reviens avec une salade de fruits. Bonjour, c'est Michael Hammond. Laissez un message. Salut Michael, comment ça va? C'est Allison. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois en espérant t'avoir en personne, mais je tombe sur ton répondeur. Je voulais simplement te remercier encore une fois pour m'avoir obtenu un entretien. Ça s'est bien passé avec Cameron. Je commence la semaine prochaine. Et du coup, ce soir, j'organise un petit dîner à la maison histoire de fêter ça. Ça me ferait plaisir que tu te joignes à nous. Et j'espère que tout va bien. Entre, c'est ouvert! Bonsoir. Salut. Ça a l'air bon. C'est quoi cette tête? James est là-haut. Non, il est en bas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Allison, ne le prends pas mal, ok? Quoi? Bonsoir. Hé! Fallait pas. Oh, c'est rien du tout, ça me fait plaisir. Vous avez réussi à joindre Michael? Non, c'est bizarre, j'arrive pas à l'avoir, il décroche pas. Ah, alors lequel de nous deux sera de trop ce soir? Bon, on passe à table? Ah, merci. C'est délicieux. Bravo, Allison. C'est pas grand-chose. Je voulais seulement qu'on se réunisse. Allison m'a dit que votre femme aussi était avocate. Mon ex-femme, oui. Pardon, votre ex-femme. Dans quel cabinet? Elle travaille pour Mackenzie et Lattner. Ça me dit rien. C'est un petit cabinet. Je vois. Et donc, votre famille vit où? Dans le Minnesota. À Minneapolis, exactement. Ça n'a pas été simple pour Lily, ma fille. Mais elle est très courageuse. C'est une petite fille adorable. Je veux dire, je ne l'ai jamais rencontrée, mais... J'entends James lui parler au téléphone. Elle est tout pour moi. Oui, je comprends, elle est très mignonne. Elle ressemble très fort à sa mère. Excusez-moi. J'ai vu la photo sur votre profil. Pourquoi t'as consulté son profil? Bah, tu te souviens pas, je t'ai aidé à modifier ta page quand t'as ajouté le règlement de la maison. Exact. Ouais. C'est vrai, elles se ressemblent. Vous voulez un autre verre de vin? Ouais, avec plaisir. Volontiers. Merci beaucoup. Un dernier et j'arrête.
Ouais, merci. Pareil. Génial. Comment vous vous êtes connus? Vous êtes allés à l'école ensemble? Oui, on s'est rencontrés à l'école primaire. On prenait le même bus tous les jours. C'est mignon. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Arrête, s'il te plaît. Quoi? À quoi tu joues? Quoi? Ça va? James n'a rien à cacher, pas vrai? Ça fait un mois. Un mois, c'est tout? Officiellement, oui. Merci. Merci. Je trouve ça bizarre parce que c'est pas ce qui est écrit sur votre profil. À ce que je vois, vous louez des maisons et des appartements dans tout le pays depuis 6 mois. Sarah. Demande-lui. Vous sous-entendez quoi au juste? Vous pensez que j'ai eu une aventure? C'est le cas. Avec Anna, on a longtemps essayé de recoller les morceaux. Et en parallèle, je faisais beaucoup de déplacements professionnels. Sarah, j'ai comme l'impression que ton sixième sens t'emmène dans la mauvaise direction ce soir. Si vous voulez bien m'excuser, je me sens pas très bien. Je suis sincèrement désolée. Je sais pas du tout ce qui lui arrive, c'est pas dans ses habitudes. Vous inquiétez pas, c'est sa façon de veiller sur vous. Je suis vraiment ravi d'être là. Et moi, je suis ravie que vous soyez là. Elle se sent mieux? Oui, ça ira. Son taxi va pas tarder à arriver. Allison, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est vrai? C'est pas grand-chose, c'est... pour vous féliciter d'avoir obtenu le poste. Tenez. Ah, comme Allison. C'est très joli. Ouais. Oui, j'adore. Je peux vous aider à le mettre? Bien sûr. Ça vous va très bien. Ah, merci. Son taxi est là. Vous me donnez un petit coup de main? Oui, bien sûr. C'est l'heure, Sarah. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. Non, je veux pas rentrer. Allez, tu vas faire un gros dodo. C'est bon, je la tiens. Non, attends. Voilà, on vous la confie. Rentre bien. Je t'aime, Allison. Moi aussi. On s'est pas ennuyé ce soir. Thank you.
Officier Fitzgerald, c'est Alison Peters. Il faut que vous m'aidiez. Bonjour, c'est Sarah, laissez un message. Sarah, t'es où? Ça fait 3 fois que je t'appelle et ça répond pas. Rappelle-moi, je suis morte d'inquiétude. Je ne sais pas quoi vous dire, Madame Peters. Faites quelque chose, je vous en supplie, vous avez vu son texto? Quelqu'un s'est introduit chez elle, cette nuit à 3 heures du matin. Ça n'a sûrement aucun lien avec l'affaire en cours. T'as vu ça? Regarde. C'est quoi? Le téléphone de Michael? Michael Hammond? Oui, ça fait 2 jours qu'il a disparu. Dernière communication, Sarah Williams à Michael Hammond, cette nuit à 2 heures du matin. Laissez-nous tranquilles, Alison ne veut pas travailler dans votre cabinet, elle est à moi. Non. Sarah n'aurait jamais écrit ce message. Alors c'est qui? Mon 6e sens t'a sauvé la mise plus d'une fois, je te signale. T'as remarqué qu'il est devenu bizarre quand j'ai dit que je restais. Qui c'était? Il a eu de la chance. J'étais pas là pour prendre soin de vous. Hé hey! Il est monté chez toi 2 fois. Qui te dit qu'il ne vient pas traîner chez toi quand tu n'y es pas? Bonjour, c'est Sarah, laissez un message. Je t'en supplie, Sarah, rappelle-moi. Rappelle le plus vite possible. Je suis morte d'inquiétude pour toi. Rappelle et dis-moi où tu es. C'est une bonne copine que t'as là. Ça doit être sympa. Sarah, par pitié, décroche le téléphone. Je suis passée au travail, à la salle de sport. Je vais retourner chez toi. Je te cherche partout. Sarah, s'il te plaît, rappelle-moi. James? Tant pis pour le règlement. Il y a quelqu'un? James? James, t'es là? Je devrais pas être ici. C'est le numéro d'Anna. Je l'appelle. Allô? Oui, bonjour. Vous êtes bien Anna Brewer? Je suis sa sœur. Qui êtes-vous? Je suis Alison Peters. On se connaît? Non, en fait, je suis la propriétaire de l'appartement que loue James. Non, c'est pas vrai. Il a recommencé. Quoi? Il n'est pas la personne que vous croyez. Raccrochez immédiatement et appelez la police. Quoi? Thank you.
chérie, non. Je vais te sortir de là. Une seconde. C'est pas dans le règlement, ça, il me semble. James, qu'est-ce que tu fais? T'aurais jamais dû venir ici. Attends, j'ai rien vu, je t'assure. T'as rien vu? Non. T'as pas vu Sarah dans le placard et mon ordinateur là-bas? J'ai une question. T'as tué ta famille? T'as parlé avec la sœur d'Anna? J'imagine qu'elle t'a tout raconté. Mais je t'ai entendu au téléphone, tu leur as parlé? Moi? Je leur ai parlé? Oh, bonjour ma chérie. Non, c'est vrai, c'est génial. Moi aussi j'ai hâte de te voir, mon cœur. Tu peux passer ta mère, s'il te plaît? Donc, tout est faux, Anna ne m'a jamais envoyé de mail? Je faisais seulement en sorte que ça marche entre nous, Alison. Et ça me déçoit beaucoup que t'aies pas mis ton collier aujourd'hui. Je l'ai retiré avant de m'endormir. Ça veut dire que t'es allée dans ma chambre. Et toi, t'es chez moi, là, non? C'est vrai, j'aurais jamais dû descendre. C'est toujours la même histoire. Toujours. Regarde! Viens ici! Non! Non! Laisse-moi partir! Alison, je sais que t'as vu des choses en bas. Mais il suffirait peut-être qu'on en discute. Je peux tout t'expliquer. Tout ce que j'ai fait pour toi, je l'ai fait par amour pour toi. Faire une dernière apparition. Anna aussi adorait les fleurs. C'était son petit bonheur à elle. Évidemment, elle ne me laissait pas les approcher. Elle disait que j'étais trop maladroit, que les fleurs étaient trop fragiles. N'importe quoi. Les gens et leurs principes. Par contre, ça ne la dérangeait pas de coucher avec un autre. Là, tout d'un coup, il n'y avait plus de principes. Ils n'ont pas retrouvé son corps. Ça me surprend pas tant que ça. C'est pas toujours évident d'imaginer ce qu'il y a sous terre quand on vit tranquillement au-dessus. Tu vas t'en rendre compte. T'es prête? Je me suis documenté. D'après ce que j'ai lu, quand la terre recouvre ton visage, t'as 8 minutes avant de suffoquer. Ensuite, les vers se nourriront de ton corps pendant un an. Et à la fin, il ne restera plus que les os. J'aurais tellement préféré que ça se passe autrement. Non, arrête de faire ça.
me regarde pas avec ces yeux-là. Quoi ? J'en ai rien à faire que tu te sois mal comporté. Moi aussi, j'ai fait des erreurs. Ça n'a aucune importance. Je t'assure, je m'en fiche. Tout le monde fait des erreurs. Renseigné sur lui. Il est impliqué dans 7 autres meurtres à travers tout le pays. C'est la première fois que sa victime en sort vivante. Dire que je lui fais confiance, c'est horrible. Vous savez, c'est dans la nature humaine de faire confiance aux autres. On pense avoir raison jusqu'à ce qu'on vous prouve le contraire. Content que vous soyez là pour en parler. Crowder et associé, bonjour. Comment puis-je vous aider? Une petite seconde. Miller sur la ligne 2. Tu peux prendre son message? Bien sûr. Oh, et après, si on allait déjeuner, je meurs de faim. Ça me branche, un resto mexicain? Oh, si, por favor. Génial. Je voulais te dire, tu sais le nouveau client? C'est un bonheur de travailler avec lui. C'est surtout un bonheur de bosser avec toi. Seulement parce que t'es là pour m'aider. Ouais, on forme une bonne équipe. Ouais, c'est clair. Tu le trouves pas mignon, le mec du service compta? Tu veux dire au point de lui louer mon appart au sous-sol? Oh, Allison, sérieux, ça c'est pas drôle. Quoi, c'est trop tôt? Ouais. Bon, d'accord, j'arrête.